deuxième épisode. L'âne Lucius, qui a pour maître deux frères, l'un pâtissier et l'autre cuisinier, a pris l'habitude de se régaler pendant leur absence des plats et des pâtisseries qu'ils laissent dans leur mansarde. Les deux frères ne s'expliquent pas la disparition de leur victuaille. Comment soupçonneraient-ils leur âne? Pourtant... À force de me gorger de bodinets, de me gaver la panse de nourritures humaines, je m'étais farci le corps d'une graisse bien épaisse, attendri le cuir d'un lard bien moelleux, nourri le poil d'un lustre bien gracieux. Mais ce physique avantageux coûta à mon honneur une grave humiliation, car frappé par l'ampleur insolite de mon encolure, et constatant que mon foin, jour après jour, restait absolument intact, les deux frères concentrèrent toute leur attention sur ma personne. Quand ce fut l'heure, ils firent semblant de se rendre au bain, fermèrent la porte comme à l'accoutumée et observèrent à travers un petit trou comment je croquais les provisions laissées là, partout, à ma portée. Sans plus se soucier du tort que je leur faisais, éberlués par les goûts extraordinaires de leur âne, ils éclatèrent de rire, puis appelèrent un de leurs camarades, un autre et plusieurs autres encore, pour leur faire voir la gloutonnerie incroyable de leur lourdeau de baudet. Tous explosèrent d'un rire énorme, effréné, tant qu'il arriva jusqu'aux oreilles du maître qui passait par là. Ce dernier demanda à ses gens ce qui les mettait tellement en joie. Quand il apprit ce qu'il en était, il glissa à son tour un œil par la même ouverture et éclata lui aussi d'un rire si énorme qu'il en eut mal au ventre. Il fit alors ouvrir la chambre et vint se placer à côté de moi pour m'observer de près. Et c'est ainsi que le prodigieux Lucius devient le favori du maître de la maison. Pourtant, ces tribulations ne sont pas finies. C'est bien joli de se gaver de nourritures humaines, mais ce que Lucius doit manger pour redevenir humain, ce sont des roses. Si vous voulez savoir comment il y parvient, lisez la suite de ses aventures. Mais pour l'instant, réalisons une autre de ces friandises au miel que Lucius n'était pas assez âne pour dédaigner. Du pain de blé tendre miellé, dont Apicius nous donne la recette au 7e livre du De Re Coquinaria, l'art culinaire. Vous y reconnaîtrez l'ancêtre de notre pain perdu. Voici la recette. Racle la croûte de pain de blé tendre et coupe-les de manière à en faire d'assez grosses bouchées. Fais-les tremper dans du lait, puis frire dans de l'huile, verse du miel dessus et serre-les. Racle la croûte de pain de blé tendre. Alors, pour le pain de blé tendre, j'ai trois hypothèses. Première hypothèse, c'est du pain viennois, Weniensis panis, qui n'a pas vraiment besoin d'être raclé parce qu'il n'a pas réellement de croûte, mais enfin. Voilà. Et avec, donc, on me dit de faire des bouchées. Et en faire d'assez grosses bouchées. Voilà. Parce que le pain de blé tendre, il faut penser que c'était un pain qui était très moelleux. C'est ça qui rendra la recette bonne. Donc, je fais des bouchées. Un peu grosse, admettons que ça soit comme ça, un peu gros. Alors, deuxième hypothèse, j'ai pris un pain de mie. Alors, si on prend un pain de mie, il faut absolument pas que ça soit un pain de mie industriel. Parce que le pain de mie industriel, dès qu'on va le tremper dans le lait, il va devenir une espèce de purée infâme. Donc là, j'ai pris un pain un peu rustique que j'ai fait moi-même. Donc voilà. On va les faire un peu plus petites quand même. Et dernière possibilité, j'ai pris ce qui est l'équivalent de la brioche chez les Romains, les moustakei, les petits pains de caton. Alors, je ne vous donne pas la recette aujourd'hui, mais promis, vous aurez sur la vidéo
les références d'une autre vidéo qui vous permettra, si vous en avez envie, de fabriquer des petits pains moustakei, c'est-à-dire petits pains au moût au jus de raisin. Donc là, pareil, on enlève grossièrement la croûte et on va les couper en trois petits morceaux. Voilà. Et ensuite, on arrose. Fais-les tremper dans du lait. Voilà, donc on va mettre le lait. Et là, on laisse tremper un petit peu jusqu'à ce qu'ils soient imbibés, mais pas complètement mous. Sinon, on ne pourra pas les prendre, puisque ensuite, il faudra les faire frire dans une poêle avec de l'huile. Voilà, donc on imbibe bien. Et ensuite, on va les sortir et on va les faire frire. Alors voilà, on a obtenu des petits pains dorés. Et il ne reste plus qu'à faire couler dessus le miel. Alors pour bien faire, il faudrait que le miel soit un petit peu chauffé de manière qu'il soit plus liquide. Alors nous mettons ici du miel de l'Attique. C'était le miel le plus réputé dans l'Antiquité. Miel d'Attique qui est fait à partir du thym. Il était beaucoup plus réputé que les autres miels antiques. Alors, nous allons, je pense, y arriver. Mais ça va se liquéfier quand ça touche le petit pain chaud. Et voilà. Donc, vous voyez, ceux qui ont été faits avec le pain viennois sont plus jaunes. Il y a un petit peu d'œuf dedans, je pense. Et les autres sont plus bruns. Et voilà, nous avons terminé. Le mieux, c'est de le manger quand c'est encore chaud, comme le pain perdu. Mais si on le mange froid, c'est bon aussi.